Parce que étant plus jeune, bon, on a un peu roulé dans le monde. Et au cours de mes dégagements, j'ai contracté une grossesse. Et c'est comme ça que mon beau-père vraiment n'a pas voulu, avec mon âge, que la grossesse reste. Et depuis lors, il y a eu un avortement qui a été pratiqué sur moi. Et depuis lors, je n'ai plus jamais fait de menstrues. Je n'étais plus une femme. Et à chaque fois, je pleurais. Ce qui faisait que, même quand j'étais avec un homme, quand la relation devenait un peu sérieuse, je fuyais. Parce qu'à la longue, on allait me demander un enfant. Mais je vais rendre grâce à Dieu. Parce que, pendant que je pleurais, j'ai ramassé un petit derrière comme ça, que j'ai déclaré partout, à la police, à l'assistance sociale, tout ça. Cet enfant, bon, ce matin, il est venu m'accompagner, mais peut-être que c'est dimanche prochain, il va venir avec moi. Cet enfant-là, je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Il est en troisième. J'ai recherché ses parents. J'ai retrouvé ses parents et il s'est avéré que sa maman était un peu malade de la tête. Donc le père, même, on ne le connaissait pas. Et pendant que je faisais ça, il dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai commis une erreur. Aujourd'hui, je m'occupe de cet enfant-là. Mais un jour, je vais tenir aussi mon enfant dans les bras. Je veux louer Dieu ce matin, lui dire merci, lui rendre toute sa gloire. Parce que le 1er décembre de cette année, il m'a fait la grâce de tenir cette fille pendant la nuit. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Le témoignage est puissant. Amen. Et vous asseoir.